Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Très heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir Mohamed. Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Mathieu. Bonsoir Richard Ferrand. Bonsoir. Président de l'Assemblée nationale à vos côtés. Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières de retour d'Ukraine où vous avez inauguré à Lviv un centre pour la liberté de la presse. Merci de votre présence à tous les deux. Alors qu'hier, un journaliste américain a été tué en Ukraine, là où désormais toutes les villes du pays sont sous les bombes, Mathieu. Oui, on va commencer ce soir, Babette, avec de fausses images, avec de la communication, un montage vidéo diffusé par le Parlement ukrainien pour sensibiliser à ce que vivent les habitants sur place. Qu'est-ce qui se passe ? Oh merde ! Voilà pour ces fausses images de guerre à Paris, tandis qu'à Kiev, ce sont de vrais missiles qui tombent. Ce matin, la capitale à nouveau bombardée, une usine aéronautique visée et détruite à l'ouest de la ville, un immeuble résidentiel aussi, la ville encerclée par les troupes russes. On ne peut en fuir que par le sud, les autorités craignent un assaut prochain et promettent d'y faire face. Ce sont pour beaucoup des civils qui résistent. Il n'y a pas de cible militaire ici, rien, c'est juste un acte de terrorisme. C'est fait pour tuer des civils, pour terroriser les habitants. Voilà ce qui se passe ici, en plein cœur de l'Europe au XXIe siècle. Poutine est en train de commettre un génocide. Irpin, en périphérie de Kiev, bombardée inlassablement comme d'autres villes. Et dans ce décor apocalyptique, des familles déchirées, partir ou rester, se cacher. Prépare-toi, prépare les enfants, pars. Moi je reste, je suis là. Non, moi je vais nulle part. Pourquoi ? Prépare-toi. Personne ne me forcera, je ne vais nulle part. Non, non. Toi, tu prends les enfants et tu pars. Allez, sois un homme. C'est à Irpin qu'est mort Brian Trono, journaliste américain, premier journaliste étranger tué sur ce terrain de guerre. On ne connaît pas l'origine des tirs avec certitude, mais cet autre journaliste était avec lui. Au moment où il témoigne, il ne sait probablement pas encore pour la mort de son collègue. We cross a checkpoint and they start shooting at us. So the driver turned around and they kept shooting. It's two of us. My friend is Brian Renault and he's been shot and left behind. Nous sommes toujours dans la région de Kiev et tous les jours, des Ukrainiens qui viennent adoucir l'horreur de quelques notes de musique. Ici, une pianiste célèbre, filmée par sa fille, elle découvre son domicile en ruine il y a quelques jours et joue du Chopin. Ou encore ces violonistes à distance, en ligne, pour une campagne d'appel aux dons. Des Ukrainiens d'abord, ralliés, vous le voyez, par des musiciens du monde entier qui recomposent un orchestre de 94 violons jouant dans 29 pays. Sur le front, le président ukrainien sorti de son abri, Volodymyr Zelensky, dans la rue, puis au chevet des soldats blessés. Je vous souhaite un rétablissement rapide. Soyez forts et bravo. Tout repose sur vos épaules. L'Ukraine qui riposte aussi, qui riposterait, difficile de savoir en réalité, Donetsk, chez les séparatistes pro-russes, la ville touchée par un missile qui aurait tué 26 civils, russes et ukrainiens, se renvoient la responsabilité de cette frappe. Guerre de nerfs, de propagande aussi, il reste compliqué de savoir ce que pensent et savent les Russes de ce qui se passe. On voit cela dit ce Z des envahisseurs apparaître en Russie, ça et là. On voit aussi toujours ces images de manifestations dans les principales villes du pays, manifestations systématiquement réprimées. Et absurdité de la situation, sur la même vidéo, cette femme vient dire à la caméra qu'elle soutient les opérations militaires russes. Elle est arrêtée elle aussi. Enfin, pendant que la Russie vit au rythme des restrictions économiques internationales, ici, le dernier soir d'un McDo de Moscou. Ce week-end, l'armée russe a étendu sa zone de bombardement, plus à l'ouest que jamais. 35 morts dans ces frappes qui ont visé une base militaire dans la région de Lviv, où affluent les réfugiés. On est là, à 20 km de la Pologne, de l'OTAN et de l'Union européenne. Maintenant, c'est évident. Et maintenant, je répète de nouveau, si vous ne закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО. Sur le front sud, le maire de Mariupol déplore 2100 morts parmi les civils. On y meurt aussi de faim et de soif. Les températures y sont négatives la nuit. Et cette femme enceinte, évacuée de la maternité bombardée mercredi sur un brancard, on a appris qu'elle n'a pas survécu. Son bébé non plus. Pendant qu'on essayait de la réanimer, nous avons pratiqué une césarienne et nous avons sorti son bébé décédé. Malgré plus de 30 minutes de réanimation, nous n'avons pas pu la sauver.
À 200 km à l'ouest, Mélitopol, le maire de cette ville de plus de 150 000 habitants, vous le voyez, un sac noir sur la tête, enlevé, arrêté par l'armée russe qui occupe la ville, ce qui n'a pas empêché les habitants de manifester au cri de « libérer notre mère ». Tandis qu'à Odessa, on se prépare toujours à être bombardé, troisième ville d'Ukraine, qui permettrait à Poutine de tenir toute la côte sud. Je vous ai déjà montré ces images de l'orchestre militaire devant l'opéra la semaine dernière. Eh bien samedi, c'est l'orchestre de l'opéra de la ville qui a donné un concert, l'hymne national et d'autres classiques, un concert baptisé « Ciel libre ». Richard Ferrand, vendredi, le président Emmanuel Macron se disait inquiet et pessimiste. Hier, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, confiait que le pire était encore devant nous. Alors que d'ores et déjà, on l'a vu nulle part en Ukraine, on est à l'abri des bombes. Que redoute Jean-Yves Le Drian quand il dit que le pire est à venir ? Bien, le pire, nous l'avons sous les yeux. Des déchirements familiaux, des drames, des morts, des journalistes assassinés dans l'exercice de leur liberté. Ce que l'on peut redouter, c'est cette généralisation du pire. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il n'y a plus de cibles militaires clairement identifiées, mais qu'il y a une volonté de soumettre un pays, de soumettre les villes, eh bien que ces actions, j'allais dire, de terreur, continuent à s'amplifier, et que par conséquent, ce soit le peuple qui souffre des attaques et de cette agression de Poutine. Le pire, c'est la destruction massive de vies humaines. Quoi de pire ? Aujourd'hui encore, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une représentante de la Fédération internationale des gynécologues obstétriques qui a attiré mon attention sur la situation des femmes enceintes. Et là, on a eu un récit à ce sujet qui a fait écho à cet échange, où elles ont connaissance, ces médecins ont connaissance de situations absolument catastrophiques pour un grand nombre de femmes qui sont sans soins, seules, parce que souvent leur mari ou compagnon est à la guerre ou est en train d'organiser la résistance. Enfin, on vit un niveau de drame humain et de déchirement qu'au fond, on n'aurait pas imaginé autrement que par les récits que nos aînés ont pu nous faire des guerres passées. Et donc l'horreur est là, et c'est sa généralisation qui constitue la crainte du pire. Marine Le Pen reproche au président de faire peur aux Français en étant si ouvertement pessimiste. Une façon, selon elle, de tétaniser les débats, d'escamoter la campagne. Que lui répondez-vous ? Vous savez, lorsque cette candidate d'extrême droite dit ça, lorsque notre Zemmour dit « la guerre nous distrait de la campagne », lorsque Mme Pécresse dit que le président se cache derrière la campagne, je crois que ce sont des personnalités qui croient qu'on est face à un fait divers. Or, on est face à un fait historique. Et manifestement, ils n'en mesurent pas ni l'étendue, ni la profondeur, ni le séisme que cela produit dans l'Europe et que cela va produire dans nos vies. Car il y aura des conséquences très, très concrètes dans nos vies industrielles, agricoles. L'Ukraine est le premier fabricant d'engrais chimiques. Notre agriculture n'en aura pas, manquera tôt ou tard de semences. Il y a d'autres effets induits dans l'aéronautique, si on n'a plus de titane, enfin, etc., etc. Et donc, d'abord la dignité, et ensuite la prise en compte de la hauteur, et du côté dramatique des événements, devrait inspirer à ces candidats un peu plus, comment vais-je dire, de modération, d'humilité, et surtout quand on souhaite présider aux destinées de la République française, on ne caractérise pas de manière aussi banale, voire ludique, se cacher, se distraire, se servir. Ça a quelque chose d'indécent que de considérer cela comme ça. Le président de la République, nuit et jour, est en lien avec ses homologues, chefs d'État et autres, travaille autant qu'il le peut pour la désescalade, garde le lien avec Poutine, avec Zelensky, fait savoir aux uns et aux autres quelles peuvent être les voies du dialogue, et on voit bien qu'elles sont plus qu'étroites dans le contexte qui est le nôtre. Donc, si vous voulez, personne ne se cache, personne ne se distrait. Le président est à la hauteur des devoirs qui sont les siens. L'Ukraine où la liberté d'informer est menacée, Christophe Deloire, vous avez demandé à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de Brent Renaud, ce documentariste américain. Vous avez obtenu des précisions ? Non, pour l'instant, il y a les informations
des autorités ukrainiennes. Donc il n'y a qu'une version, même si cette version est plus crédible que celle des autorités russes. Ça, donc les circonstances exactes, on ne les connaît pas. On sait simplement que ces deux journalistes étaient en voiture et se sont fait tirer dessus. Et on connaît le contexte. Et le contexte, c'est que depuis le début, depuis 24 février, à plusieurs reprises, des équipes de télévision d'Al Arabiya, de Sky News, d'une télé danoise, il y a eu un journaliste suisse aussi, ont été la cible de tirs délibérés. Alors même qu'ils étaient identifiés comme journalistes. Donc ceux qui ont tiré savaient ce qu'ils faisaient et ils essayaient de tuer des journalistes. Jusqu'à présent, ils avaient échoué. Lorsque nous étions à Lviv samedi, moi, j'ai exprimé que nous, pour inaugurer le centre pour la liberté de la presse que crée Reporters sans frontières sur place pour agir très concrètement, moi j'avais dit que nous craignions le pire parce que jusqu'à présent, c'était des miracles qu'il n'y ait pas eu de victimes. Quelques heures après, on apprenait la mort de ce journaliste américain. Il y aurait sur place 2000 journalistes étrangers accrédités sur le terrain auprès des autorités ukrainiennes, avec à chaque croisement de rue le risque que tout bascule, comme pour ces reporters d'M6 qui ont évité de peu un face-à-face avec un char russe. Un char russe, là, là. Il y a un tank russe sur la route juste à gauche. Hop, go, go, go. Le char russe est maintenant à 70 mètres à peine de notre équipe. La voiture est plus rapide, le conducteur réussit à le semer. Attention, ils sont là, au carrefour, à peu près à 300 mètres d'ici. À bord de ce véhicule, il y a deux journalistes français aguerris, si c'est possible de l'être au reportage de guerre, mais aussi un fixeur et un chauffeur. Ils sont tous les deux ukrainiens, ce n'était pas leur profession. Ils se sont mis à la disposition des journalistes. Ce sont des collaborations essentielles, mais c'est aussi eux que vous voulez protéger. Et les journalistes ukrainiens, qui ne travaillent pas pour les médias des pays étrangers, mais tout simplement pour des médias ukrainiens, et qui sont aujourd'hui ceux qui sont très clairement le plus en danger. Pourquoi ? Un reporter de guerre, aguerri, ça a l'expérience d'autres conflits, ça a suivi des formations, et s'est équipé, doté de matériel de protection. Les journalistes ukrainiens, eux, ils couvraient tout autre chose avant. La santé, ils ne sont sport, pas allés couvrir la guerre en s'y étant préparés. C'est la guerre qui est venue subitement à eux et qui s'est imposée à eux. Et aujourd'hui, la couverture médiatique en Ukraine, c'est 80% évidemment consacré à la guerre. Et donc, c'est dire que ces journalistes-là, il faut vraiment les aider. Il y a un enjeu majeur à sauver l'avenir du journalisme ukrainien, à aider ces journalistes. Le centre de Lviv que nous avons créé, il vise dans un premier temps à apporter du matériel, de l'équipement, tout simple, des casques, des gilets pare-balles, de quoi se protéger, ça sauve des vies. Et les journalistes ukrainiens en manquent vraiment de manière dramatique. C'est compliqué de se fournir en casques et en gilets pare-balles, parce qu'aujourd'hui, il y a une demande, là, évidemment, qui surpasse l'offre. On a fait une première livraison de 60 casques et gilets pare-balles la semaine dernière. On va continuer, on va monter en puissance de semaine en semaine. On va aussi dispenser des formations dans ce centre. Elles vont commencer cette semaine à la sécurité, à la survie pour les journalistes ukrainiens. L'objectif, c'est aussi d'aider les médias indépendants ukrainiens à faire face et à survivre. Moi, j'ai visité à Lviv un centre qui est un centre d'hébergement où il y a des dortoirs de journalistes ukrainiens qui travaillaient avant dans d'autres régions et qui, là, se sont réfugiés en pensant être à l'abri dans cette ville. C'est impressionnant de voir des journalistes d'investigation qui se mettent à travailler à distance. Il y avait d'ailleurs un journalisme d'investigation très, très puissant en Ukraine. Un journaliste d'investigation avait d'ailleurs été assassiné en 2016. C'est un pays dans lequel, aujourd'hui, les journalistes sont en exil intérieur. Il y aura demain un exil vers l'étranger, immanquablement. Il faudra que les pouvoirs publics leur accordent des visas. C'est vraiment un enjeu très important. Et puis, il y aura la question de la survie des médias ukrainiens, de leur survie économique, parce qu'ils sont évidemment confrontés à des très grandes difficultés économiques, à des difficultés humaines, puisque leurs journalistes partent ou sont empêchés de travailler. Bref, il y aura tout un volet d'action à déployer et on va s'y employer. Et puis, il y a l'information quasi totalement empêchée en Russie, par les autorités de Moscou. On sait que début mars, Vladimir Poutine a signé une nouvelle loi visant de 3 à 15 ans de prison toute personne publiant des informations mensongères. Une information est mensongère, par exemple, dès qu'on emploie le mot « guerre » ou le mot « invasion » pour décrire ce qui se passe en Ukraine. Beaucoup de médias étrangers ont décidé de partir. Comment poursuivre son travail malgré tout ? C'est possible ? Alors pour les journalistes russes, comme pour tous les journalistes d'ailleurs dans tous les pays où il y a des crises, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut maîtriser la langue pour être journaliste. Et donc c'est extrêmement compliqué. Nous, on reçoit beaucoup d'appels de journalistes russes. Là, on est dans une vague
d'exil qui, de l'opinion des journalistes russes, est semblable à la vague d'exil de 1918 face aux bolcheviks. Certains sont, beaucoup sont partis, ils sont à Dubaï, en Turquie, dans des pays européens, aux États-Unis, mais souvent aujourd'hui avec des visas de touristes. Et ils appellent à l'aide. On a vraiment besoin, là aussi, d'un plan d'action pour aider les journalistes russes, qui représentent aussi beaucoup de matière grise, qui finalement, si on regarde la vague de 1918, beaucoup d'artistes qui ensuite ont fait des grandes carrières dans les pays européens ou aux États-Unis venaient de Russie. Et il faut être à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Et malheureusement, le journalisme, il est impossible à exercer aujourd'hui en Russie. Il reste Novaya Gazeta, ce journal martyr dont 5 journalistes ont été tués au cours de l'histoire, la plus célèbre d'entre elles étant Anna Politkovskaya, mais il y en a eu d'autres, et qui aujourd'hui a été condamnée, du fait de la nouvelle loi que vous évoquiez, à retirer ses contenus sur l'Ukraine, à ne pas dire qu'il s'agit d'une guerre. C'est un pays aujourd'hui, on ne peut plus employer les mots qui décrivent la réalité elle-même. Et les seuls grands médias indépendants qui survivaient, la radio Écho de Moscou, pourtant contrôlée en partie par Gazprom, la télévision Dojd, ont été fermés. L'un a suspendu ses activités, l'autre s'est complètement autodissous. Bref, c'est comme si Poutine avait vraiment écrasé les dernières poches de résistance du journalisme indépendant dans son pays. La liberté d'informer, elle est fondamentale dans cette guerre comme dans chaque conflit, mais particulièrement dans cette guerre-là. Il y a quelque chose de spécifique dans ce conflit, c'est le fait que d'abord, il a été préparé pendant des années par une guerre de l'information, menée par Vladimir Poutine. Et menée, avant d'être menée contre l'Occident, elle a d'abord été menée contre le peuple russe. Puisque ce sont les Russes d'abord qui sont les victimes, parfois consentantes ou inconscientes, de cette guerre de l'information qui fait que leur est imposé un appareil de répression et de propagande qui dépasse ce qu'il était à la fin de l'ère soviétique. On est vraiment dans une situation de basculement dictatorial qui fait craindre une évolution à la Corée du Nord. J'ai vu tout à l'heure un article qui évoquait cette hypothèse. Et donc il faut là-dessus apporter, à court terme, il faut résoudre les problèmes des personnes qui incarnent le journalisme. À plus long terme, il faut instaurer des systèmes de défense. Parce qu'en plus, ces évolutions, elles sont favorisées par le nouveau fonctionnement technologique, par l'organisation, les plateformes numériques, les réseaux sociaux, par cette mondialisation de l'information non maîtrisée et qui nourrit les démons. Qu'est-ce qui pourrait arrêter Vladimir Poutine sur le plan diplomatique? C'est la question que vous posez dans votre édito, Patrick. La Russie aurait lancé un appel au secours à la Chine, information du New York Times. En lui demandant une aide militaire pour mener la guerre en Ukraine et une aide économique pour contourner les sanctions occidentales, démentie offusquée ce matin de Moscou et de Pékin. Mais l'information du Times a été suivie d'un avertissement, sévère avertissement adressé à Pékin par le gouvernement américain. We also are watching closely to see the extent to which China actually does provide any form of support. Material support or economic support to Russia. It is a concern of ours. Pas de contournement des sanctions, dit Jake Sullivan, haut responsable du gouvernement américain, qui rencontre en ce moment à Rome un haut responsable chinois. La Chine qui pourrait donc jouer un rôle central dans la résolution de cette crise. C'est le grand voisin, 4000 km de frontière et le dernier grand allié de Poutine. La Chine n'a pas condamné l'invasion de l'Ukraine. Elle s'est abstenue aux Nations Unies. L'accord de coopération signé entre Poutine et Xi Jinping à l'ouverture des JO le mois dernier célébrait une amitié sans limite. La semaine dernière, le chef de la diplomatie chinoise évoquait cette fois une amitié solide comme un roc. Mais le roc est peut-être en train de se fissurer. Pékin s'est gardé d'apparaître comme le complice de Moscou. Le ministre chinois a appelé son homologue ukrainien début mars pour lui dire qu'il regrettait profondément le conflit. Son ambassadeur à l'ONU a condamné le recrutement par la Russie de mercenaires syriens pour aller combattre. Et la Chine vient d'envoyer en Ukraine une aide humanitaire, 700 000 euros de secours alimentaire via la Croix-Rouge chinoise. Bref, Pékin ne veut se fâcher avec personne. Pourquoi cette position d'équilibriste? Le business, le commerce mondial dont Pékin est le principal acteur et bénéficiaire. Si la Chine est le premier partenaire commercial de la Russie,
qui lui fournit 16% de ses besoins en pétrole. Elle est aussi le premier partenaire de l'Ukraine qui lui vend, enfin qui lui vendait du minerai de fer, de l'orge, de l'huile de tournesol et surtout du maïs. Près d'un tiers des importations chinoises de maïs venaient d'Ukraine. Mais tout cela ne pèse pas lourd à côté du marché occidental et notamment européen, infiniment plus intéressant et plus important que le marché russe. Si la Chine apportait son aide à Moscou, si elle atténuait l'impact des sanctions contre Moscou, elle s'exposerait elle aussi à des sanctions, on vient de l'entendre, ce que Xi Jinping veut à tout prix éviter. La Chine va donc devoir choisir. En quelque sorte, sans doute, entre le partenariat stratégique signé avec Moscou et le juteux commerce avec l'Occident, il n'y a plus beaucoup d'espace de compromis. Certains experts pensent que Xi Jinping détient une carte maîtresse, qu'il est la dernière porte de sortie de Poutine, le seul à pouvoir lui dire stop. Est-ce qu'il le fera? Nul ne le sait. La Chine pourrait aussi bien, à terme, espérer récupérer une sorte de Russie vassalisé après son effondrement. Mais face à la cruauté et la froide détermination du chef du Kremlin, c'est l'un des derniers espoirs d'éviter le scénario du pire, comme l'a écrit, et c'est l'article que vous citiez, je pense, celui de Piotr Smolar dans le Monde cet après-midi. Le scénario du pire, c'est une Ukraine transformée en Syrie et une Russie en Corée du Nord. La Chine, la seule qui pourrait dire stop à Vladimir Poutine, c'est aussi une solution qu'il faut envisager. Est-ce que le président Emmanuel Macron est en lien permanent avec le dirigeant chinois, comme il l'est avec Vladimir Poutine, avec le président Zelensky, avec Joe Biden ? Il ne m'appartient pas de le dire, mais je sais qu'ils ont eu des conversations. Mmh. Ils ont eu des conversations parce qu'il s'agit pour le président de la République de motiver, de rassembler tous ceux qui peuvent contribuer à une désescalade. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Est-ce que c'est surprenant qu'on doive se tourner vers la Chine pour essayer de trouver une solution diplomatique à ce conflit, Christophe Deloire ? Moi, je ne suis pas certain d'ailleurs, même du point de vue de la Russie, et je ne suis pas un spécialiste de géopolitique, mais quel est l'intérêt à très long terme à se mettre dans les bras de la Chine qui lui imposera un autre modèle et sa domination à terme. Pendant ce temps, les livraisons de gaz russe à l'Europe tournent à plein régime. C'est un beau butin pour le Kremlin qui finance sa sale guerre. De ce point de vue-là, l'Europe tarde à prendre des décisions majeures. Le sommet de Versailles, par exemple, a pu paraître décevant. Oui. Vous savez, parfois, on peut faire un raccourci. On peut se dire le budget militaire de la Russie, c'est 56 milliards et l'Europe achète pour 59 milliards d'énergie fossile. Donc on pourrait dire, après tout, les achats de l'Europe viennent financer l'armée russe. C'est commode, mais c'est un peu court. Parce que les sanctions qu'il faut prendre, d'abord, il y en a eu beaucoup et qui vont porter leurs effets. D'autres vont être décidées ou vont être même annoncées de manière tout à fait imminente. Mais le but n'est pas, je ne le crois pas en tout cas, le but n'est pas pour l'Europe de se punir elle-même et de se mettre totalement à genoux. Mais en revanche, loin d'écraser, j'y reviens, notre campagne, la guerre en Ukraine, elle met en lumière des choses que nous portons depuis au moins 5 ans. Les enjeux de souveraineté énergétique, alimentaire, c'est le discours de la Sorbonne de 2017. La souveraineté numérique, la sécurisation des approvisionnements, l'autonomie, l'indépendance sur un certain nombre de secteurs vitaux. Tout ça doit être porté au plan européen si l'Europe souhaite, et c'est un carrefour de son histoire, soit devenir une Europe puissance, soit devenir et rester qu'un libre marché, mais qui ne pèse pas sur le cours du monde. C'est pourquoi le combat de Versailles, mais il y en a d'autres à mener encore, c'est d'arriver à faire cela. Et remarquez tout de même une chose, c'est que sous l'impulsion française, 2 tabous allemands ont sauté. L'endettement commun et les Allemands qui, en un week-end, ont redécouvert que ils n'avaient pas de défense. Et qu'il fallait soudainement investir plus de 100 milliards et sortir d'une sorte de pacifisme culpabilisé pour se dire si vis pacem, parabellum, comme on apprenait. En achetant des avions américains, ce qui n'était pas un très bon début pour l'Europe de la défense. Mais c'est peut-être le prix de l'OTAN, car il faut comprendre qu'il faut créer à la fois une défense commune, mais que de toute façon, sur le court ou moyen terme, il faut le faire avec les Américains. Et que partant de là, il faut que la coopération soit élargie. Ce n'est pas qu'une question de vente d'avions. Juste un mot, le lien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine n'a jamais été rompu. L'Élysée informe sur chacun des appels, sur leur teneur, parfois même sur les mots échangés. C'est quoi ? C'est de l'information ou c'est des mises en scène inutiles ? Si on ne disait rien, on dirait qu'on cache tout.
Après, on peut qualifier les choses comme on veut. Simplement, il s'agit de rendre compte au peuple français que telle conversation a eu lieu, que tels arguments ont été produits, que pour l'instant, ça ne produit pas les effets que l'on escompte, mais qu'on maintient la pression diplomatique, qu'on ne lâche pas l'affaire. Je crois que c'est ça qu'il faut arriver à démontrer, car l'autre jour, les deux anciens présidents de la République qui y sont allés voir, l'actuel président de la République, M. Hollande et Sarkozy, étaient tous les deux d'accord sur un point. C'est la diplomatie, la diplomatie, la diplomatie. Oui, donc, mais la révélation des verbatims, des conversations... Le fait qu'il se tutoie, tu mens, tu exagères, c'est ça. Par l'Élysée, c'est pas banal quand même, Richard Ferrand. Avec les photos aussi de ces appels téléphoniques. Ce serait bien la première fois qu'on nous reprocherait de la transparence. Non, peut-être une mise en scène, dans une période électorale. Oui, bah, si vous voulez l'interpréter comme ça, faites-le, mais je ne crois pas que ce soit ça l'enjeu. C'est une manière de faire toucher... de manière concrète, visuelle et textuelle, comment ça se passe et ce qui se dit. Je crois que ça mérite d'être fait, sinon c'est totalement abstrait, finalement. Vous restez avec nous, Richard Ferrand, pour commenter l'actualité. Merci beaucoup, Merci. Christophe Deloire. Je rappelle que ce Centre pour la liberté de la presse a été créé à Lviv, en Ukraine. Je rappelle aussi votre dernier ouvrage, La Matrice, comment résister au coup d'État numérique, c'est chez Calmin Lévy. Et puis le dernier numéro d'Alpha, 100 photos pour la liberté de la presse, publié par Reporters sans frontières et consacré au grand Patrick Chauvel. Ce numéro est en kiosque depuis le 3 mars dernier. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, nouvelle journée de manifestation hier en Corse. Il est 8h, Bastia se réveille et porte encore les stigmates des émeutes de la veille. 93 blessés ont été recensés, dont 70 parmi les forces de l'ordre. Le centre des finances publiques a été incendié, des voitures caillassées et la préfecture ciblée. Pourtant, la manifestation avait démarré dans le calme. 7000 personnes étaient rassemblées dans le nord de l'île afin d'exprimer leur soutien aux militants indépendantistes et notamment Ivan Colonna, toujours dans le coma après son agression. C'est quand les manifestants arrivent devant la préfecture que tout bascule. 300 individus cagoulés lancent des fumigènes. D'autres s'emparent de cocktails Molotov et l'affrontement commence avec les forces de l'ordre. Il va durer près de 4 heures devant la caméra de Camille Schmitt et Louis Amar. Les manifestants s'attendaient à ce que cela dérape. Les violences étaient prévisibles, mais personne n'était prêt à les condamner. La violence, c'est un moyen parmi tant d'autres. Ceux qui l'ont choisi... Vous ne les condamnez pas ? Je ne les condamne pas, absolument pas. Vous les comprenez ? Même je les comprends. On est très loin de leur cracher dessus, au contraire. En Corse, on a eu 40 ans de violence, 7 ans de paix. Et 7 jours de violence. Pendant 7 ans, avec les formes classiques, je dirais les formes pacifistes, on n'a rien obtenu. Comment l'État français, qui se dit être un État démocratique, le pays des droits de l'homme, ne répond qu'à la violence et ne répond pas à la démocratie? Ça, c'est une vraie question. Mais vous savez, la violence, elle est toujours condamnable. Maintenant, est-ce qu'il y a des origines à cette violence? Oui, il y a une violence qui est peut-être plus importante, qui a précédé celle-là. Donc vous la comprenez? Je la comprends. Les revendications sont multiples. Libérer ou transférer en Corse les membres du commando Erignac, Ivan Colonna, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, et ouvrir un dialogue sur l'avenir politique de l'île qui pourrait déboucher sur l'autonomie. À quelques mètres des incidents, des élus corses étaient là, plutôt bienveillants. Si l'État et le gouvernement avaient reconnu qu'il existe un peuple, que ce peuple a des droits, qu'il a une langue, une culture, une terre, si en gros le gouvernement et l'État avaient ouvert un véritable dialogue politique,
avec l'accord, ses élus et l'ensemble des forces vives, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est le rôle d'un responsable politique d'être là aujourd'hui, à quelques mètres des affrontements? C'est mon devoir d'être là. La démocratie, le chemin démocratique est la seule voie. Le problème, c'est que toute la semaine, il y a des jeunes qui se sont fait tabasser par des CRS et que donc la violence répond à la violence. Mais en étant là, vous la cautionnez, cette violence, en étant à quelques mètres? Je cautionne absolument rien. Mais par contre, je ne vais pas partir alors qu'il y a des jeunes étudiants et des lycéens et des collégiens qui sont dans une grande difficulté. C'est normal que je sois là. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va se rendre en Corse mercredi et jeudi. Richard Ferrand, vous l'avez entendu, pour les manifestants ou les responsables politiques, seule la violence semble donner des résultats. Peut-on vraiment régler la question corse par le dialogue? Et êtes-vous favorable à l'autonomie de la Corse? Rien que ça et en deux phrases de préférence. Non, il faut prendre les choses par le début. D'abord, il y a une manifestation qui se déroule, où les élus légitimes de Corse sont présents. Et ensuite, manifestement, en Corse comme ailleurs, il y a des black blocs, si je peux dire, c'est-à-dire de 100 ou 300 personnes qui choisissent délibérément la violence. Alors, il faut être très simple, la violence, elle n'est jamais légitime, où que ce soit, pour quelle cause que ce soit, où que ce soit en France. C'est le premier point. Donc, je ne peux pas entendre une complaisance là-dessus. C'est le premier point. Le deuxième point, il y a un certain nombre de sujets qui doivent être traités en Corse, des sujets extrêmement sérieux. L'accès au logement, qui n'est pas simple, la mobilité, gérer le problème des déchets, enfin un certain nombre de sujets tout à fait sérieux. Et où l'État prend ses responsabilités, où il faut évidemment que la collectivité de Corse exerce pleinement toutes les compétences qui lui sont déjà dévolues par la loi. Donc, attachons-nous d'abord à répondre aux problèmes des citoyens qui, en Corse, estiment que ce à quoi ils doivent faire face n'est pas réglé. C'est le premier point. Deuxièmement, le dialogue vers un statut, une évolution, tout est toujours possible. Mais vous savez, si on met comme préalable l'organisation institutionnelle pour justifier qu'un certain nombre de réponses ne voient jamais le jour, on n'y arrivera jamais. Il faut se saisir des sujets concrets qui sont ceux des Corses, garantir la sécurité, arrêter la violence et trouver un chemin qui fasse qu'on discute avec ceux qui le souhaitent d'amélioration en termes d'organisation ou d'institution. Mais commençons par se saisir de ces sujets. Et vous savez, je veux bien, c'est la faute à l'État en toutes circonstances. Mais je crois que l'État a fait la preuve depuis plusieurs décennies, ces dernières années plus encore, d'un esprit de solidarité, de la volonté d'investir aux côtés des élus de Corse, de travailler en bonne intelligence. Donc, je crois qu'il faut partir du concret, que tout le monde s'apaise, que le dialogue s'ouvre. Et je crois que le fait que Gérald Darmanin, qui est un esprit agile, qui sait discuter, écouter, est la bonne personne pour représenter et le gouvernement dans son ensemble, dans toutes ses compétences. Ce n'est pas que le ministre de l'Intérieur qui y va, c'est le représentant du gouvernement pour, aux côtés du préfet, trouver à la fois les conditions de l'accalmie, de remettre les choses sur la table et d'avancer. Donc le dialogue autour de l'autonomie, pas pour l'instant, en tout cas. Non, vous savez, je ne suis pas membre du gouvernement, donc c'est pas moi qui fixe le calendrier. Ce que je vous dis, c'est que ce qui est urgent, c'est ce qui préoccupe la population de Corse. Ensuite, parlons de tout pourvu que ce soit efficace, parce que ma conviction à moi, c'est qu'en Corse, il y a un enjeu d'efficacité de l'action publique et que la question de savoir comment elle doit s'organiser pour être plus efficace est quelque chose qui doit se traiter peut-être en même temps ou peut-être après ou que sais-je. Mais pas de préalable, pas de violence, tendons les mains, ouvrons les bras et il n'y a aucune raison de ne pas trouver des solutions aux problèmes qui se posent aux Corses dès l'instant qu'il n'y a pas de préalables qui, en vérité, sont les ferments de quelque chose qui n'aboutit jamais. Vous n'êtes pas membre du gouvernement, mais vous êtes un fidèle soutien d'Emmanuel Macron, un président candidat, pas vraiment en campagne, absent ce week-end des 4 réunions publiques à Vannes, Privas, Nancy et Marseille, où les militants ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. Un premier débat télé ce soir qui n'en sera pas un, où les candidats vont se succéder sur TF1, mais sans dialoguer. Bref, de quoi attiser les critiques de ses adversaires qui reprochent au président de fuir le débat et les risques qui vont avec. Le mépris qu'il exprime
à l'égard des Français. Il peut très bien être président et participer à un certain nombre de débats sur des plateaux. Il ne souhaite pas le faire. Je crois que les Français ne peuvent pas être privés d'un débat démocratique. Et ils ne trouvent pas l'occasion de faire en 4 semaines, 4 fois, un débat démocratique d'1 heure avec celles et ceux qui peuvent être au second tour d'après les sondages. Qu'on puisse avoir un moment d'échange significatif avec le président actuel pour dire voilà ce que vous avez fait, voilà ce que nous on pense et qu'éventuellement lui nous réponde. Emmanuel Macron, depuis quelques mois déjà avec le Covid, cherchait à faire en sorte de ne pas aller sur le fond des sujets. Ah, s'il pouvait se passer de l'élection, lui il s'en passerait. Si Emmanuel Macron pouvait se passer d'élection, évidemment, c'est une réflexion caricaturale de Xavier Bertrand. Mais à défaut d'affronter les candidats, Emmanuel Macron va donc affronter les journalistes en organisant jeudi une conférence de presse pour détailler son projet présidentiel. C'est la nouvelle stratégie. Enfin, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'il y a des candidats qui sont en campagne depuis 2 ans. Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon se sont annoncés depuis 2 ans. D'autres depuis l'été dernier. Et les derniers depuis l'automne. Et comme ils constatent que rien n'imprime... Bah, il se dit, c'est la faute au président. Comme nous n'avons pas le bon sparring partner, tout ce qu'on dit, les Français, ça ne les intéresse pas. Vous comprenez voilà pas un peu le fond de leur critique, voilà tout de même perspicace. Parce que le risque, c'est s'il n'y a pas de débat Emmanuel Macron... Lorsque Nicolas Sarkozy s'est représenté, on n'a pas dit, il faut venir à un débat. J'ajoute que ça fait 5 ans, jour pour jour, enfin bientôt jour pour jour, que le travail, les choix d'Emmanuel Macron sont mis en débat... Chaque jour. Qui peut douter que le président de la République n'aime pas la controverse et les débats? Qui a fait le grand débat, pour commencer? Avec les Français. Pas face à des adversaires politiques. Qui va systématiquement voir les Français, et parfois d'ailleurs à ses dépens, pour avoir des échanges libres et des explications. Donc si vous voulez, la mise en scène de ces personnes qui, parce qu'elles n'ont peut-être pas grand-chose à dire, se sentent néanmoins obligées de le faire savoir, mais ensuite imputent au président le fait que les Français s'y intéressent guère, je trouve que si la situation n'était pas globalement dramatique, ce serait assez pittoresque. Mmh. Hein ? Mais enfin, le débat aura, j'ai envie de dire, parfois le respect des traditions a du bon. Il y a un premier tour, puis il y aura un deuxième tour, et au deuxième tour, comme ça a toujours été le cas depuis au moins 1974 de mémoire, eh bien les 2 finalistes que les Français auront choisis, eh bien, s'affronteront. Parce que, vous comprenez, ce ne sont pas ni les sondages, ni les débats, ni les controverses qui décident de qui sera qualifié. C'est le peuple souverain qui décide. Ce sont les Français qui vont décider. Et moi, les Français que je croise, dans tous les départements où je vais, j'ai l'impression que ce n'est pas ceux qui les habitent du matin au soir. J'ajoute que la récente démonstration de débat qui a opposé Valérie Pécresse et Éric Zemmour. C'était pas très ragoûtant, si vous voulez. On se disait, une fois ça va, mais bonjour les débats, si on en fait plus, si je puis, pardon, prendre ce vieux slogan et le déformer un peu. Mais tout cela n'est pas sérieux. Si on veut organiser des foires d'empoigne pour dégrader un peu plus la qualité précisément des échanges, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, on tient le cap, on va devant les Français, on fait des propositions, on répond aux journalistes qui eux-mêmes ne se priveront pas d'analyser, de critiquer, de dire ce qu'ils ont envie de dire, car nous sommes un pays de presse libre. Et lorsque les Français auront fait leur choix, parce qu'ils seront éclairés, eh bien, selon qui ils auront choisi pour la finale, ils choisiront à la fin qui sera leur président ou leur présidente de la République. Donc, à partir de jeudi, on devrait avoir enfin matière à débat avec les propositions du candidat Emmanuel Macron. Mais parce qu'on ne les connaît pas depuis... Vous savez, M. Cohen, j'ai une bonne mémoire, moi. Oui. Le candidat Macron, en 2017, s'était présenté le 16 novembre, oui. En 2016. Oui. Et on avait eu plusieurs centaines de... Il n'a pas d'idée. Oui, mais c'est en janvier qu'il a commencé à dévoiler. Il l'avait publié à peu près à la même date. Et vous voyez, les Français ont constaté qu'il y avait un programme sérieux, qu'ils en prenaient connaissance, qu'ils étaient suffisamment éclairés pour les lire. Alors, donc, il ne faut pas céder aux pressions de toutes parts. Alors, avant de connaître le détail de ces propositions, quelques mesures ont quand même transpiré. L'une qui a été beaucoup commentée, le recul de l'âge légal de la retraite à 65 ans, et on va y revenir. Pas pour tout le monde, ça vous a pas échappé. C'est une mesure générale de recul de l'âge légal. On va y revenir. Oui. L'autre, beaucoup moins, le versement automatique des prestations sociales. RSA, allocation familiale et une dizaine de droits. Tous les droits seraient automatiquement versés, même à ceux qui, aujourd'hui, ne le réclament pas, je pense, notamment au RSA. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays,
c'est que beaucoup de personnes qui pourraient bénéficier de droits n'y ont pas recours. Les spécialistes appellent ça le non-recours, de manière rapide. Ça représente tout de même quelques milliards de prestations que des dispositifs prévoient pour des gens qui en ont besoin. Et bien de la même manière que nous avons su prélever à la source, par l'impôt, tous ceux qui paient des impôts savent que maintenant c'est directement pris sur leur salaire, eh bien il convient de faire le versement à la source. Parce qu'en croisant les informations dont disposent les différents organismes sociaux, on arrive parfaitement à lire qui telle personne ou telle famille ou peut prétendre à telle ou telle prestation. Donc c'est une mesure qui redonnerait des droits à ceux qui aujourd'hui ne les touchent pas. Mais qui donnerait des prestations à des gens qui ont des droits et qui n'en bénéficient pas. Eh bien, je trouve que précisément, de la même manière qu'après tout, on s'est prélevé à la source, eh bien on sera versé à la source. C'est un juste équilibre des choses, me semble-t-il. Le recul de l'âge légal, je me souviens que, pas seulement lors de sa campagne de 2017, mais après le grand débat en 2019, Emmanuel Macron avait expliqué avec, de façon très éloquente à quel point le recul de l'âge légal n'avait aucun sens compte tenu du faible taux d'emploi des seniors, avec des gens qui, en grand nombre, sont au chômage, sont dépourvus d'emploi à 59, 60, 61 ans, etc. C'était, ce serait, je ne sais pas quel terme il avait employé à l'époque, mais ça n'aurait pas de sens de reculer l'âge légal à 65 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Ce qui a changé, c'est qu'à l'heure où nous parlons, eh bien, le niveau d'emploi en France était inégalé depuis 15 ans. Le niveau d'emploi des jeunes inégalé depuis 40 ans et le taux d'activité global est le plus élevé depuis qu'on sait le mesurer. Et pour les seniors ? Et donc pour les seniors, à l'époque où cette déclaration a été faite, on était à 30%, en effet. Aujourd'hui, on est à plus de 50%. Mais au-delà, alors je veux venir sur l'âge légal, parce qu'il ne s'agit pas d'éluder ce qui paraît être douloureux, si je puis dire. C'est de dire qu'en effet, l'âge légal sera jusqu'à 65 ans. Mais ce qui est dit tout aussi rapidement, c'est que pour les carrières longues, pour les carrières où on est usé par le travail, vous savez, dans mon Finistère intérieur, quand on voit les gens qui travaillent dans les abattoirs, dans l'agroalimentaire, qui ont des troubles musculo-squelettiques dès 50 ans et qui sont en invalidité quelques années après, évidemment que c'est désespérant de dire on allonge le départ à la retraite. Donc précisément, il faut travailler là-dessus. Travailler comment là-dessus ? Ah, ça a déjà été travaillé d'abord, avec les critères de pénibilité. Oui, alors, la pénibilité. Qui ont été en partie supprimés dans le dispositif actuel. Non, prendre en compte l'usure au travail, mais surtout, faites beaucoup plus ambitieux, c'est se questionner de savoir quelle évolution on peut imaginer dans la carrière de quelqu'un qui arrive à 40-45 ans et dont on sait par avance qu'il ne pourra pas continuer ainsi jusqu'à la retraite. C'est réinterroger toutes ces carrières, c'est faire de la formation, faire en sorte que tout un chacun. Parce qu'il y a encore des filières où il n'y a zéro heure de formation. C'est reprendre le travail de manière beaucoup plus ambitieuse. Et c'est faire en sorte que, naturellement, les personnes handicapées continuent à pouvoir bénéficier à 55 ans du départ à la retraite et que ceux qui ont une carrière qui les a usés au travail, car telle est la réalité sociale, ils puissent, eux, partir à 62 ans. Donc, ce n'est pas seulement une question d'âge légal. Et puis, pourquoi le fait-on ? Ce n'est pas simplement un dogme. Non, c'est un choix. Si nous voulons garantir notre modèle social, bien prendre en compte le million de Français qui aura plus de 75 ans à la fin du quinquennat, eh bien, il y a trois choix. Soit on dégrade les prestations et le modèle social, soit on fait de l'impôt, soit on travaille plus et on produit plus de richesses. Nous avons fait ce troisième choix. Pas d'impôt, pas de dégradation de notre modèle social, donc produisons ensemble plus de richesses pour financer notre modèle social, pas seulement les retraites, mais aussi les droits nouveaux à venir pour les personnes qui sont en situation de perte d'autonomie ou de dépendance, parce que là, tout le monde dit « Oui, oui, il faut faire quelque chose sur la dépendance. Sur ouais. la... » Mais alors, comment on fait pour payer ? Comment est-ce qu'on le fait, ça ? Eh bien, il y a trois possibilités. Donc, notre choix n'est pas un... Notre position n'est pas un dogme. C'est un choix qui a du sens. Et parce que nous avons le plein emploi à portée de la main, si je puis dire, et la situation le démontre, eh bien, nous devons continuer sur ce chemin et faire en sorte que, là où nous avons fait un jeune une solution, on puisse demain dire un senior une solution. Parce que vous avez raison, même si on est aujourd'hui à 50% d'emploi, ce n'est pas suffisant. Et donc il faut à la fois le faire en amont, c'est-à-dire dès 40-45 ans, s'interroger pour les travaux extrêmement durs que l'on connaît, et pour ceux qui sont dans cette difficulté, traiter les choses de manière particulière. Et enfin, j'en aurai terminé,
je sais que c'est un peu technique, un peu barbant, mais je veux tout vous dire puisque vous m'interrogez, c'est de ne pas renoncer à ce projet de schéma universel qui fait que 1 euro cotisé rapporte la même chose à tout le monde. Eh bien, ce système universel, on pourra choisir à une date où on le met en place pour tous les nouveaux entrants sur le marché du travail, parce que là où nous n'avons pas réussi, c'est en pensant que l'on arrivera à faire converger des systèmes actuels. Donc, on va faire ça pour ceux qui nous concernent, nous qui sommes en activité, et à un moment donné, pour tous les nouveaux entrants, on fera différemment. Mais je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui un candidat ou une candidate proposait le système des retraites qui est le nôtre, qui est extrêmement injuste pour les gens qui ont eu des carrières hachées, extrêmement injuste pour les femmes, eh bien celui-là, personne ne le soutiendrait. Notre système actuel est inique et il ne permet pas de financer notre modèle social. Donc voyez-vous, il faut le corriger dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de notre modèle social, et décrivez le système actuel et dites-vous s'il y a un candidat qui oserait venir le défendre. Je suis sûr que non. Bon, Émilie, en un mot sur cette étude. Est-ce que vous savez que ce qui intéresse les Français, en premier lieu, ce n'est pas ni la retraite ni le pouvoir d'achat, mais c'est l'exemplarité des élus, le fait de limiter les avantages des politiques. Alors ça avait bien été mené dans la loi de moralisation de la vie publique en 2017 par Emmanuel Macron, mais il y a eu un élément qui a été retiré, c'est le fait que les élus politiques aient un casier judiciaire vide. Est-ce que vous comprenez que ça soit la priorité des Français ? C'est une consultation citoyenne, je le dis, 1 million de Français qui ont participé, et c'est un quart des 34 000 propositions qui est ça, l'exemplarité des politiques. En quelques mots, Richard Ferrand, en quelques mots, vous savez, je sais qu'il est de bon ton de penser qu'il suffit d'être élu quelque part pour être dépositaire de tous les vices de la société. Moi, je suis fier des 500 000 élus qui se dévouent pour la chose publique. Et la calomnie permanente n'est pas à la hauteur du respect que l'on doit à tous ceux qui s'engagent et à ceux qui portent la République. C'est le premier point. Deuxième point, un des rares régimes spéciaux qui a été supprimé en matière de retraite, pardon d'y revenir, c'est celui des députés. Et ce sont les questeurs de l'Assemblée nationale qui y ont veillé. Je tiens quand même à vous le dire, puisqu'évidemment, ça, on n'en parle jamais. Enfin, en attendant, ça a été fait. Ensuite, la troisième préoccupation de parler de l'exemplarité. Aujourd'hui, avec la Haute Autorité, la transparence sur la vie politique qui contrôle la situation de l'ensemble des élus, eh bien, les rapports des déontologues le prouvent également, cette exemplarité est de mise. Alors évidemment, on va dire, oui, mais là, il y a un homme malhonnête ou une femme malhonnête, ouais, etc. Toutes les professions comportent leurs personnes qui ne sont pas en règle avec la loi ou avec les exigences de la profession. Mais pas plus les élus de la République, qu'ils soient maires, conseillers départementaux, régionaux, sénateurs ou députés que les autres. Une question bonus dans le 5 sur 5 pour vous, Richard Ferrand. Ça, c'est des malus. Non, c'est pas malus, c'est bonus. Avec un jour important sur le front de la lutte contre le Covid. Ben oui, vous l'avez peut-être tous vécu au boulot. Aujourd'hui, la levée des restrictions les plus importantes, la fin du pass vaccinal, mais aussi la fin du masque. En entreprise, Audrey Payas et Anaïs Recoulis sont rendus dans les locaux de l'entreprise TAFMI, 60 salariés en région parisienne, où on a redécouvert le visage de ses collègues. Et depuis ce matin, on peut se mettre à plus de 3 par bureau. Jusqu'à vendredi, on était limité à 3 en quinconce. Donc c'était moins pratique, on va dire, pour discuter, pour échanger. On passe notre temps à se chercher du regard. Alors qu'à partir de ce matin, c'est beaucoup plus simple et plus agréable. C'est cool de revoir aussi les sourires sur les visages, aussi de ne plus être à plus d'un mètre de distance de ses collègues. Je considère qu'il faut quand même encore essayer de conserver toujours quelques gestes barrières pour essayer de ne pas créer de clusters ici. On continue à faire attention, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu un sentiment de libération après quasiment 2 ans de port du masque en entreprise. Je pense qu'il y a à la fois un sentiment de soulagement, mais aussi une petite vigilance qui est marquée parce qu'on a, on a le sentiment que l'épidémie n'a pas totalement disparu. Même sourire dévoilé à l'école où le port du masque n'est plus obligatoire non plus, nous avons interrogé quelques élèves en sortie d'école primaire. Là, ça fait du bien parce que t'es libre et c'est bien de voir le visage de tout le monde, des maîtres et des maîtresses. Il y a moins de difficultés à parler parce qu'à des moments, il y a des élèves, ils parlaient tellement doucement qu'on ne les entendait pas à cause des masques. Je trouve que c'est mieux pour mieux parler, pour mieux respirer, tout ça. On peut redécouvrir le visage des autres élèves et quand on parle avec la maîtresse, ben on n'est pas obligé de crier.
Bonsoir Jimmy Mohamed. Bonsoir. Médecin généraliste d'SOS Médecins, est-ce qu'on a raison de se réjouir ou est-ce qu'on ne va pas un peu vite en besogne? C'est vrai que ça semble être un jour historique, on se dit enfin on passe à autre chose, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut se dire que ce masque qu'on portait quand on faisait nos courses était une si grande contrainte telle qu'on pourrait l'imaginer? Moi je pense que la grande contrainte, elle venait essentiellement avant la vaccination, pendant les confinements, pendant les couvre-feux, lorsque avec Mathieu Béliard on se demandait, on avait des questions d'auditeurs sur Europe 1 il y a deux ans, en se demandant est-ce que le port du masque protège vraiment contre le virus? Est-ce qu'on peut faire sécher son masque à la maison? On a dépassé un peu tout ça, on ouvre peut-être un nouveau chapitre, on va vivre avec le virus de façon peut-être un peu plus sereine jusqu'au prochain variant. N'oublions pas que systématiquement, ce virus nous a pris de court. Donc profitons des bonnes nouvelles avec peut-être la perspective dans quelques mois, je ne sais pas, l'hiver prochain, d'un nouveau variant qui remettrait la gueule. En attendant le variant suivant, on a une remontée des cas dont on parlait encore en fin de semaine dernière. Cela dit, ce qu'il faut regarder, c'est surtout la pression hospitalière. Exactement, on se rend compte que là actuellement, l'épidémie elle est liée à plusieurs choses. L'efficacité de la vaccination diminue petit à petit. On a un relâchement des comportements. On a réouvert les écoles, responsable d'une nouvelle flambée épidémique. Et puis, on a ce sous-variant d'Omicron. C'est Omicron, le BA2, qui est beaucoup plus contagieux, mais pour autant moins virulent, c'est-à-dire moins agressif. Et pour une fois, on a cette chance d'avoir eu un variant qui est plus contagieux, mais moins agressif. Jusque-là, à chaque fois qu'un nouveau variant arrivait, il était responsable d'une vague d'hospitalisation massive, à la fois en service classique et en réanimation, ce qui n'est pas le cas. Donc, profitons de l'accalmie tant que ça dure. Merci. On regarde du côté de la Chine. On peut parler des décisions des autorités sur place, reconfiner des habitants par millions. Alors, sans forcément parler de reconfinement, vous l'avez évoqué, est-ce qu'on pourrait connaître de nouveaux serrages de vis? J'espère pas, j'espère que c'était la dernière fois. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré tout, le virus continue de circuler. Il y a des personnes qui sont fragiles, immunodéprimées, qui répondent peu ou pas à la vaccination, qui continueront d'être hospitalisées, qu'on devra encore protéger d'une façon assez simple. Porter le masque n'est pas une mesure de contrainte, c'est une mesure de protection à la fois pour soi et aussi pour les autres. J'aimerais juste rappeler qu'il est possible d'avoir une prescription lorsque vous êtes à risque de forme grave de coronavirus, d'avoir 20 masques FFP2 pour 2 semaines ou 50 masques FFP2 pour 5 semaines. C'est une mesure que je trouve plutôt bonne. Sur prescription du médecin généraliste, on peut se protéger, on peut aussi protéger les autres. Ah bah oui, c'est formidable ça. Et pendant qu'on montrait des images d'entreprises avec des sourires, ici deux personnes ont remis le masque illico de façon, voilà, Pierre Lescure et Richard Ferrand. Ça vous manquait de mettre le masque? Non mais je sentais Monsieur Béliard nostalgique. et donc je voulais l'égayer un peu. Oui voilà, il faut se réjouir. Et souvenez-vous que voici deux ans, quasi jour pour jour, nous étions tous sidérés quand on nous disait on confine tout. C'est jour pour jour. Jour pour jour. C'était quand même une sidération totale. Oui, c'est vrai. Et on peut se dire que, au fond, les choses ont été très vite, entre la création du vaccin, la phase de confinement, le rebondissement. Maintenant, on enlève le masque. Il faut peut-être se préparer aussi à se protéger si ça revenait, comme l'a dit le docteur à l'instant. Mais enfin, on a aussi surmonté ensemble cette crise et on a tenu, les Français ont tenu. On a le droit d'être fiers de nous parfois, collectivement. Merci beaucoup Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Je sais que vous filez pour être auprès du président qui est dans quelques secondes interviewé sur TF1. Dans un instant, nos invités du dîner, Laure Calamy, formidable au cinéma, et Eric Orsenna, académicien. A tout de suite.